Nous te supplions humblement de bénir et de fortifier ton serviteur Père Bernard Mathy, qui a été élu abbé de ce monastère. Nous t'en prions. Accorde-lui la grâce de vivre en conformité avec le titre qu'on lui donne, de sorte que son enseignement, comme un ferment de vie divine, pénètre avec plus d'efficacité au cœur de cette fête. Qu'il sache bien, Seigneur, combien il est difficile de guider les âmes et de se dévouer au service de chacun. Qu'il sache aussi que son rôle est de servir plus que de commander. Qui préfère toujours la miséricorde à la justice. Qu'il ait le courage de reprendre les négligents. Qu'il déteste les vices, mais qu'il aime ses frères. Sous l'inspiration qui met à l'œuvre toute sa sollicitude et se dépense avec sagesse et savoir-faire afin de ne perdre aucun de ceux qui lui sont confiés. Amen. Qu'il encourage les plus faibles et stimule les plus forts. Amen. Qu'il ait le souci des malades et l'amour des pauvres. Amen. Qu'il sache accueillir la vie de tous les frères. Amen. Qu'il agisse en tout avec discernement et mesure pour que tous, avançant dans l'amour du Christ et la charité fraternelle, se hâte le cœur joyeux sur le chemin de tes commandements. Daigne le combler, Seigneur, des dons de ton esprit, pour qu'il se consacre à ta gloire et au service de l'Église, et ne cesse d'y entraîner ses frères. Qu'il mette le Christ au-dessus de tout et qu'il enseigne à ne rien lui préférer. Ainsi pourra-t-il, avec tous ses frères, être admis dans ton royaume. Quand le Christ apparaîtra au dernier jour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles,